Eh bien, bonjour à tous, les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Super Texcar. Tantadam! Alors, je prends un petit peu de retard sur mon épisode de MFF le prochain parce que j'aimerais atteindre le troisième étage, ça c'est dit. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tenter le. Est-ce que c'est celui-là? C'était le Grand Prix. Voilà, celui-là. Il est pas évident. Non, il y a beaucoup de pistes, pas forcément les plus faciles. Et j'ai déjà fait un record de cet épisode et je me suis lamentablement explosé à toutes les courses les unes après les autres. J'ai fait un rage quit. Alors je me suis dit, on recommence. Dans la joie et la bonne humeur, ce sera beaucoup mieux. Voilà, donc je le refais à tête reposée et je sais que je vais en baver. Mais ça va être marrant pour vous et pour moi aussi, je l'espère. Voilà, donc on commence avec le mini-golf. Et c'est parti. Je vais essayer de me concentrer un peu. Pas vous dire trop de bêtises et pas en faire surtout. Voilà, exactement comme ça. Non mais sérieux. Et les gars, non mais oh, je sais que je peux appeler l'oiseau, mais voilà, c'est exactement ce genre de truc qui m'ont fait finir dernier quand j'ai tenté la première fois. What, mais je comprends pas. C'est comme si mon machin ne réagissait pas. Bon alors Sarah, tu t'en vas. On va éviter le trou. Ah oui. Et on va éviter de se manger les murs, ça serait pas mal quand même. Mais bien sûr. Tiens, ça c'est fait. Alors sur cette course-là, j'espère vraiment pas finir premier. J'espère juste ne pas finir dernier. Parce que... Ah mais... What? J'effleure le bord et je me retrouve de côté. Il y a un petit bug. Pardon. Il y a un petit bug là-dessus quand même. On va me dire ce qui est. Après, il faudrait pas manger le bord, évidemment. Hein. C'est moi qui... Non mais sérieusement. C'est fini cet acharnement ou bien... Allez. Bon, alors moi j'ai un sérieux problème là. Mais si j'arrive même pas. Bon, vous savez quoi? On va la recommencer parce que vraiment. Vraiment. Ah, nouvelle course. Non, je vais au mode histoire s'il te plaît. Très étonnant. Vraiment un magnifique échec. Absolument cuisant. On va retenter. Avant d'aller plus loin, ça sert à rien de se planter complètement si de toute façon. Ben voilà quoi. Alors. Je vais essayer de faire mieux. Alors. Et voilà. Voilà, on profite du fait que eux aussi ils mangent des fois les murs. Non mais sérieusement. Ah, elle est pas évidente, elle est très étroite cette piste. Et il n'y a pas moyen d'éviter les trucs des autres. Sauf si c'est nous qui les avons. Mais what? J'ai tourné pourtant. Je pense qu'il y a un problème avec ma manette. C'est pas impossible hein. Mais sérieux? Mais est-ce que j'ai demandé à recevoir ça dans la tronche? Sérieusement? Non. Allez. Pour en avoir un. Boum. Dernier tour. Ok, on sait que devant il est armé, dangereux. Voilà. Ah bah ça c'est fait. Je vois plus rien. Je sais même plus où je vais. Mais what? Oui, alors il y a vraiment un problème de réactivité sur ma manette là. Je suis persuadé parce que... Là j'ai vraiment... Je sais que j'ai appuyé. Et c'est comme si je n'avais rien fait. Alors...
lion là. Est-ce qu'on va l'avoir? Non, juste pas. Bon, c'est pas grave. Deuxième. C'est pas si mal, comme ça on finit. On sera deuxième pour la suite. Ouais. Allez. C'est reparti. Sur la XR machin. 500, je ne sais plus combien. Toujours aussi belle. La musique est top. Tiens. Voilà. Qui c'est qui veut m'approcher? Oh. Wow. What? Mais j'ai rien demandé. Sérieusement. Ah. Alors ces bonus là, c'est parfait. Ah, j'ai remarqué qu'ici, sur ce virage là, je sais que je gère mieux globalement que l'IA. Oh mince, il en avait 3. Ah, ça arrive. Non, je voulais la nitro. Voilà. Alors l'astuce, ça va être de s'arranger en fait, quitte à pas être premier sur tout le Grand Prix. Ça va être de s'arranger pour que le premier ne soit pas le même. Ah, j'ai bien sûr déjà oublié qui était devant moi au classement général. Mais on peut finir premier du classement du Grand Prix en n'étant jamais premier aux courses individuellement. Il suffit que les autres aient fait moins bon score moyen. Oh mais sérieux? Allez. Voilà. Boum. Voilà, c'est ça qu'on veut. Et là, on va choper ce mirage-là. Voilà. À partir du moment où on est premier, c'est plus facile, hein, parce que... En général, tant qu'il n'y a pas une balle de basket, on peut réussir à prendre un peu d'avance. Histoire de creuser l'écart. Typiquement, les dérapages, ça aide vachement avec le booster qui est derrière. Allez, virage à droite. Noterez que je passe toujours par ce virage là, c'est une question d'habitude. Faut rien voir de plus. J'ai rien contre la droite. Enfin, si de temps en temps. Wow, j'espère que ça passe parce que. Suivant quoi, j'ai loupé le checkpoint. Il y a des checkpoints invisibles. Je pense que ça a dû passer. Hein. On verra au pire. Bah, je suis premier, c'est bon. Tac. Voilà, fini premier, parfait. Normalement, quel que soit le deuxième, je passe premier. Voilà, maintenant il faudra que je fasse de l'acharnement sur Conky et Sarah. Les deux autres sont moins dangereux en quantité de points. Ça veut pas dire que je vais les laisser gagner, hein, mais. Disons que si j'ai le choix, je sais sur qui je dois tirer en premier. Alors la mine, très très belle course. Voilà, alors pour le coup je vais garder la nitro en stock. Oh c'est top. Je garde la nitro en stock et en fait j'utiliserai qu'au moment le plus utile, typiquement si je me fais dépasser. Oh. Ah non, pourquoi j'ai mis ça? Ah, j'aurais pu récupérer de la nitro, mais bon. Allez. Ou alors celle-là, c'est du... What? Je me suis pris un coup. Apparemment, je suis pas le seul, je viens d'entendre le même petit bruit derrière. Ouais, de machin. Je sais pas trop ce qui se passe. Allez. Ah, j'arrive juste pas. Ah, justement, j'ai masterisé sur ce virage, mais là, pas... Oh non, 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 vite, vite, vite. Allez, un tout petit coup de nitro pour donner le booster, pour repartir. Ça, c'est fait. On va se blinder. Ah bah, c'est sur Conky que je vais m'acharner, si je le vois. Tiens, je savais pas que... Ah, parfait. Il s'est pris le chewing-gum.
un petit booster, ça passe toujours. Surtout si on réussit à faire le virage sans se prendre la chute libre. Oh mon dieu. Ok, c'est pas grave, on a les 3 cupcakes. Autant dire que ils vont prendre plein la tronche. Wow, c'est pas passé loin. J'ai vu le feu rouge, je me suis dit mince. Puis non, c'est bon. Ok, premier c'est Sarah, il faut absolument que je l'ai. Bah, elle est moins pire que Conquis, mais. What? Ça me met le parachute aussi? Bah, c'est moi qui l'ai activé. Ou alors il y en a eu deux en même temps. J'ai fait exactement en même temps que l'IA, c'est possible aussi. Oh, ouais, c'est ça, une qui a eu 3 parachutes. Mais bien sûr. Et voilà, les deux sur qui je dois m'acharner qui sont devant moi. Trop bien. Plus qu'un. Pourquoi je suis premier tout le long sauf au bon moment? Faut qu'on m'explique. Parce que là, on est bientôt au bout de la course. Je veux des étincelles rouges, je veux du rouge, je veux du rouge, je veux du rouge. Allez, balance la sauce. On va faire... Allez, yes, j'en ai eu 2. Bon, bah ça restera devant. Peut-être que j'arrive encore à la choper. On sait jamais. Non, ça sert à rien. Bon, pas grave. Deuxième de nouveau. Ouais, je garde toujours un peu d'avance, hein. J'ai 5 points de plus. Oula, pardon. Et la dernière sera sur le phare. Dernière course sur le phare. Très belle course. Elle a première se faire avec le nouveau mode de rendu. Mais bon, je crois qu'on l'a déjà faite, donc c'est pas nouveau. Et si ça l'est, eh ben, c'est trop cool la petite musique d'accordéon, ça fait vraiment marin. J'aime bien. Mais oui. C'est bien. Toing, 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 boom. Voilà. Oula. Alors ce virage là était magnifique. Si on regarde sur la carte, j'ai pris une sacrée avance du coup. Alors pour le coup, je me demande presque pourquoi elle est là où elle est. Parce qu'en fait, elle est beaucoup plus facile que d'autres. Ouais, j'arrive à chaque fois à en prendre qu'une, hein. Ça va bien. Ah, il y a 4 tours sur celle-là. Ok. Bon. Je vais essayer de me cultiver de la nitro. Pour cultiver de la nitro, il vous faut un chewing-gum. Et un inverseur. Non mais, j'ai plus l'inverseur. En fait j'aurais pu, en arrivant jusque là, j'aurais pu choper le chewing-gum. Ah, doing, 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 boum. Ok, super. Vas-y, n'accélère pas plus vite surtout. Et voilà. On est reparti. Ah, j'espérais finir ce virage puis reprendre. Non mais sérieux Conquis, là tu fais quoi? Conquis, je t'adore. Sérieux? Et dit qu'il n'y a pas de pougne. Et dit qu'il n'y a pas de pougne là derrière. C'est vraiment le mec. Oh. Il active son truc que au moment où, où on lui lance le cake dessus. Pour moi, il y a un petit souci avec l'IA là-dessus. Parce que c'est pas normal. Enfin bon. C'est pas grave. Allez, virage à droite. Yeah. Voilà, easy peasy. C'est fait, premier, c'est bien. Comme ça, j'ai fini mon Grand Prix et je suis content. Alors, qu'est-ce que ça nous fait? Oui, alors, la petite animation, on la connaît. On a gagné, youpi. Qu'est-ce qu'on a débloqué? Alors, 10 sur 10. Ok, donc il n'y a pas de. Il n'y a rien de plus pour l'instant. C'est pas grave. Alors, on va aller
C'est un grand prix ça aussi. Ouais, mais on va pas refaire un deuxième grand prix tout de suite. Moi je vais aller voir. Ah bah voilà, du côté de la mer. On va en faire une ici. Je sais plus lesquelles c'est. Mais je me dis pourquoi pas. Oui, j'ai une mémoire de poisson rouge. Ce qui va. Bah justement, le phare, on vient de la faire, donc on va pas aller dessus. Allez, on passe dessous. Hein? Attends. Explique-moi là, s'il te plaît. Ah voilà. L'île Grande Paradiso. Ah oui, d'accord. Puis, j'ai déjà accès à la dernière. J'ai déjà accès à la finale. On la fera pas tout de suite. Bon, on va y retourner sur l'île Paradiso. En espérant que ça marche. Rien n'est moins sûr. Nous verrons. Et j'ai même pas regardé les conditions, bien sûr. Tout va bien. Je pense que c'est une course normale. Ouais, c'est bien ça, c'est une course tout à fait normale. Alors. Allez, juste pour embêter tout le monde. Voilà. Je sais pas si je le redis ou si j'ai déjà dit. Il me semble qu'il y a des raccourcis sur celle-là. Oh, vous savez quoi? Oh non! Ça, c'était nul alors. Mais what? Oui, on a droit aux annonces. Mais bien sûr. Là, mon dérapage a lâché. Mais ça doit être ma manette, hein, c'est possible. Pourtant, elle est pas vieille, mais. Faut que j'accuse quelqu'un. Allez. Voilà, on tire derrière nous. On s'en fiche, ça coûte rien. Et au pire, on fait des dégâts. Donc, dans tous les cas, on est gagnant en fait. Oh. Allez. Entrez. Je me demande la voix de qui c'est. Tiens, est-ce que ça pourrait être un de nos développeurs, chéri? Ce serait trop cool. Alors, ils m'ont fait une inversion. Je sais que j'ai laissé un peu plus loin un chewing-gum traîner. Donc on va aller le récupérer. Ah oui, et la musique a changé aussi. Ah non! Oh non, mais double non quoi. Triple non. C'est pas possible d'être aussi nul. Enfin bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Mon corps. J'ai entendu le ding ding ding. Ah, parfait. Voilà. Vas-y, je t'attends, ding ding. Parfait. Ok, avec tout ça, je pense que je dois être bon. Sans aucun problème. Youhou! Bon, bah ça s'améliore. Ça s'améliore. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné cette fois? Je gagne des points. Ok, mais alors pour le coup, si le château de Nolok est déjà débloqué, on va aller vérifier ça. Mais s'il est déjà débloqué, j'ai pas envie d'y aller maintenant parce que je me dis on va finir le jeu. Mais ça veut dire que si vous n'avez pas tout fait, vous pouvez quand même y aller. Et ça, c'est vachement cool. Ah ouais, non, d'accord. Alors, il y a un truc bizarre quand même. Et si j'appuie là-dessus? Ouais, donc c'est bien ça. J'ai pas le droit d'y aller tant que j'ai pas fait tous les défis. Ok, parce que j'ai cru que du coup ça laissait une porte de sortie pour celui qui est allergique à une piste en particulier, qui puisse éviter de la faire.
Mais je pense sincèrement que c'est mieux comme ça de pouvoir d'être obligé de tout faire. C'est un peu une récompense, surtout que la piste de Nolok, elle est vachement cool. Elle est très belle et tout ça. Bon, et eh ben les amis, je pense qu'on va se laisser ici. Alors du coup, n'hésitez pas à me faire un petit retour comme d'habitude. Un petit commentaire, un petit pouce de votre couleur préférée. Ça fait toujours plaisir et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.